Bonsoir tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la caille. Nous portons pour quelques updates, ça qui a passé jeudi samedi à la une zone, lui ville, c'était Chai. Ça n'a pas gardé là, c'est un groupe qui relève les têtes, NAFA, qui veut dire Not Fucking Around Coalition. Ce qui ça veut dire, c'est des groupes, après c'est en d'autres termes, c'est des groupes de communautés noires, ils ont réuni, ils ont des armes, ils ont des armes légales. Yo di, yo rentre nan batay la tou, batay pou defan nou ak ap subi injustis, batay kont brutalite, batay kont diskriminasyon. Men yo di yo vle fel de manye legal, menm jan pil lot group kont fel, san tari de group ekstremist doat ki kont gen zam yo debake. E jodi ya, yo debake, justeman nan Louisville kote ke, e yap mande e justis pou Breonna Taylor, ke nou pa explique ki mouri nan kondisyon assez difficile. Mais dans ça qui fait bah ça compliqué, c'est que dans même temps tout gagnons l'autre, pas oublier que nous parlons de Louisville là qui est dans Kentucky. Dans même mais et dans même côté à tout gagnons l'autre groupe opposé, des groupes de white extrême droite, de white supremacistes qui paraît tout. Donc la police oblige à séparer parce qu'un peu de monde dit que bah ça arrive loin dans le sens que vous venez gagner bataille entre des groupes armés civils. Donc, on va montrer, par exemple, là, ça, en fait, ça, c'est eux-mêmes, ils sont obligés de mettre un bagaille qui vous sépare. C'est comme quoi, d'un côté, ou bien la fac là, d'un autre côté, ou bien l'autre groupe, ça, qui est les têtes, les 3% militia, ils mettent en ligne. Et donc, bien entendu, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'autorité dans un lagon, en situation assez compliquée, il y a géré dans ce moment-là. Ok? Et donc en fait, nous bien dit, groupe ça qui est NAFAC là, qui est Not Fucking Around Coalitions, qui c'est un All Black Militia. Donc, en l'heure, par contre, il y a ça souvent, non? Vous avez toujours plusieurs groupes militia. Quand vous avez les groupes militia, c'est des groupes civils qui ont ça. D'ailleurs, quand vous avez des groupes militia qui même qu'on a sous frontière même. Mais pourquoi vous avez ça, nous les groupes militia black? Et forme de ces groupes ça li fait former, c'est pour moi, c'est pendant bagage flood là yo formé li, yo te font défilé dernièrement avec n'importe 1000 membres, vous comprenez? Donc en l'état groupe ça c'est une réponse par rapport avec son réponse bien entendu yo bay par rapport à ensemble de groupes d'extrémistes white supremacistes fort souvent nous connons avec Zamio et autres. Donc yo même tout yo dit yo formé groupe pa yo tout groupe ça forme de bien base li bien que actuellement, il est dans Louisville et il a marché justement pour demander justice pour l'homme Breonna Taylor. Mais fondateur, là, il dit, et le groupe fondateur, là, c'est dans Atlanta, c'est un rappeur qui est DJ John Johnson. Et dans YouTube, monsieur t'a expliqué que, eh bien, c'est lui qui est auteur. Il dit, marche la paix, je dis, c'est en réponse à l'homme Breonna Taylor. Breonna Taylor, c'est dame ça qui a seulement 26 ans, qui a été tué dans Louisville pour par policier. Et tout il est entré la cali, bien entendu. On l'a mort pas erreur, mais ça passé. C'est qu'il est entré la cali sans frapper. Et puis il paraît brut sous coup comme ça. Et il était avec mena boyfriend qui dit bon, dès vous entrez sans frapper, boyfriend n'a pas pensé il voler, il défend tête, il va les amis tirer. C'est une pas contre une comprendre logique là. Depuis mon engagement, mon entré la cali faut comme ça, pas contre ça. Well, so il défend tête lui, il gagne des amis pour défendre tête lui. Li tire sur tant de là et policier vide balle pa pile pa paquet et puis et dame lan te mouri et te tout touye. Alors que tande bien oui policier fait débarquement les rentre la cali pour eux même yo pense la ca on drogue dealer yo débarquer la ca Breonna Taylor y a chercher drogue dealer y en entre frapper porte bim sans frapper donc ça veut dire yo pa gagne warrant yo pa gagne y en frapper et puis yo rentre. Vous comprenez? Donc, vous rentrez la Cali, et puis, c'est avec. C'est ainsi que ménage et Breonna Taylor qui l'a tiré, et puis, s'attendait à même, il a vu des balles papi, des balles paquettes, il perdit. Maintenant, donc, groupe NAFAC là qui dit c'est pour ça, il a fait une manche, je dis, eh bien, étant donné que il a fait manche à l'autre groupe, militia, l'autre groupe, ça me saute, nous allons aller à Far White là. Yo même tout yo relé
et groupe membre pa yo pou yo présent. Vous comprenez pour ba sécurité et groupe paywas yo c'est le terme yo kon ba support pour ça ta rele droit pour moun gen zam et yo toujours opposé quelque part avec gouvernement et yo gen présence surtout au niveau de ça rele et white supremacist. C'est une chose dans où ça fait nous rappeler Charlotteville côté gen pile zam d'ap marché à un point Donald Trump te dit c'est deux groupes moun ki fay et comme ça le dit et j'ai reçu une bonne critique pour ça. Et donc Kentu, en fait 3% là li gen base li en Kentucky, OK, et li rele 3% group. Donc yo te gen yon, en fait yo te gen yon manche que yo te fait dans mois de mai pour ça dans les droits pour moun gen zam côté que yo te même pan gouverneur et Andy Beshear sur un pied bois bas ça te font bonne discussion yo te dit gen peu là-dedans que yo va l'arrêter. Et la fac là j'en dou là c'est pendant mai juin tout passé là au fait formé yo pas gagné longtemps, OK. Et Johnson c'est lui même qui connaît comme officiel grand master mouvement ça, OK. Et donc pour jodi a c'est à peu près 200 la fac member qui était dans marche là, mais dernièrement il est allé dans Mountain Park et ça a été fait Georgia dans Georgia, il a gagné presque 1000 militaires avec. OK, 1000 militaires avec. Et donc je dis et c'est 200 membres qui ont gagné là avec et ils ont été paraître avec gens autour ou fait tout de noir camouflage aux armes dans main eux et ils ont commencé marche là vers 11h30. Et police, j'en dois être obligé de séparer des groupes. Bon, bien que tu aies un grand monde qui t'a traversé ces barrières pour aller sur l'autre groupe là, la police t'est obligé de faire quelques arrestations. Et maintenant, ça qui passe, à partir de 1h comme ça, il me semble que il y a un bal qui partit. Mais il faut être clair sur ça. Bal qui partit, c'est au niveau de Nafak. J'en ai rapporté là, c'est un bal qui partit dans les armes comme ça. Là, il dit c'est peuple propre même qui t'a blessé tête yo d'après ça yo dit, OK. Donc c'est propre yo même qui t'a gomme mauvais balle marron parti là on kembe ça vous comprenez n'importe où fait balle ka parti balle parti et que gagne qui blessé au niveau de Nafaka yo blessé et tout l'autre yo mettait à genoux avec zam pour capote capable vinn ba sécurité plusieurs autres monde hôpital vinn ba sécurité. Donc plus de peur que de mal li blessé il va blessé grave yo mené yo dans yo mené dans investigation, yo mené dans l'hôpital parce que yo dit yo pas blessé grave. Non, moi on a parlé là dans Louisville, les police là fait investigation sur situation ça. Une situation qui a dégénéré plus, j'en ont dit. Et parce que comprennent bien ça n'a pas expliqué là, c'est deux groupes armés jusqu'au dents, les groupes civils et police dans un chef police a dit l'encourager tout le monde pour yo exercer ça dans les second amendment right yo avec responsabilité, avec un sens de responsabilité. En fait, nous connaissons ba qui parle en pile pas bon ici ça nous relé second amendment right droit pour porter zam gen un bon monde qui jure par ça yo c'est constitution qui ba yo droit ça vous comprendre pour yo gen zam nan main yo. Et ça veut dire tension qui gen dans Louisville vraiment high dans moment là, OK. Et maintenant pile monde dans zone là et en plus monde dans zone là yo même yo peur pour ba ça va dégénérer parce que ou gagne en pile fraction opposée et tous les deux groupes yo heavily armed yo tous les deux gagne gros armes dans main, OK. Et donc en plus monde pas ta souhaiter que ba ça va pas dégénérer. Et maintenant, on dit que jusqu'à présent, le dossier qui fait que Nafak a protesté, jusqu'à présent, il y a besoin pour que justice soit faite. Parce qu'il dit que c'est la CADAM qui est entrée à l'Touyel et ça libre. Bien entendu, il n'y a pas de droit de dire la CADAM. Donc, il y a demandé justice et dans le ça. Et bien que, il fait qu'on ait que l'attorney général Kentucky a dit que li comprendre
et moun yo qui voulait connaître la vérité sur cause ça et donc il dit il y a travaillé diligemment pour joindre la vérité en investigation indépendante sous la mort et dame là même j'entends il a demandé la justice pour la mort de George Floyd là et bien dans Louisville c'est la mort il a demandé pour Taylor et qui a dit qu'il mourit pendant que c'est la calibier c'est dit il est rentré la cali pour mourir il est rentré la cali au tuyel donc il dit et il est pas d'accord pour la mort passer inaperçu il faut que tout le monde qui coupable et bien il joigne peine que yo mérité et nous autres nous pensons que nous t'a souhaité bien entendu que esprit calme te gain doit ta justement et gain bataille ça parce que quelque part personne monde bata souhaité que ba ça et en fait groupe ça OK nous gain là pour yal toke kon OK et c'est bah yo le second amendment right ça va être chargé pile zam pile gros zam bien entendu qui gagne dans Louisville qu'on est là donc nous même nous t'a souhaité que bah ça pas dégénéré et même t'a voulu expliquer aucune attaque là son réponse par rapport avec l'autre groupe ça qui était toujours là avec gros zam non mais ben il dit faut que former une pour nous à tout donc qui vient faire que yo fermer yo former pas yo donc voilà guys nous t'ai voté update ça nous t'a souhaité que yo arrivé qu'un calme par rapport à situation ça. C'était un plaisir d'essayer de voter ça pour pas oublier, restez connectés ensemble avec nous.